Non, je vois pas. Je vois pas, ça m'énerve. Bon, tant pis. Dans ce cas, je vais devoir rechercher des infos un petit peu plus explicites. Et c'est grâce à une carte trouvée sur internet que je vais peut-être réussir. Alors, soit j'étais con, soit je suis passé juste devant. Mais à mon avis, ça doit être le jeu qui a fait de la merde. D'après la carte, le tombeau se situe juste après le pont, juste ici. Voilà, normalement, le tombeau est dans cette maison. Alors, où, je ne sais pas. Voilà, alors, on m'a dit ici. Très bien. Voilà, donc c'est de la merde, on entend des gamins crier dehors. Je cherche toujours, j'essaye de comprendre, j'essaye de comprendre, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre, j'essaye de comprendre. Non. Ça me gave. Alors, je vais quand même descendre. Non, on sait jamais. Alors, vous le trouverez dans la maison à l'ouest de la porte de la Cloire, où là une petite fille se tiendra devant la porte. Et si vous direz qu'il y a des bruits étranges, je sais. Ok, entrez discuter avec sa mère. Ah, d'accord. Alors, attends. D'accord. Entrez et discutez avec sa mère, personnellement, elle verra le mot de passe, elle lui offre un nom de pédivère. Alors c'est vrai que... D'accord. Alors attendez, je suis déjà allé. Toi. C'est ça. Prononcer le mot. Voilà, c'était le passage. Et donc, c'était la porte là, putain. Oui, je suis trop con. Tac, alors attendez, je ferme les pages internet Solus parce que je suis une bite. Donc là, on met. Attendez, on va save. On met. Merde. Ah putain. Tac. Et là, ça va être la merde. Ça va être la grosse merde. Ça va être le combat de votre vie. Ça va être le combat de l'épicness. J'espère que je vais pas décéder. Holy shit. 4 épées de Palivère. Très, très bien. Je pense que chacune d'elles représente un élément. J'ai assez de thunes pour la max de potions. Je vais attaquer la première épée avec un jet d'initiative qui me semblait dégueulasse. Putain, les autres s'en sont rendus compte. Non, non, attaque 12. What? Qu'est-ce que c'est que ces épées? Oh putain, sérieux? Oh sa mère. Oh sévère. Sérieusement. What? Oh putain. Oh putain. J'ai pris violence. Même pas pu utiliser une potion. Je vais réessayer. Ou alors j'ai essayé une technique. Tac, je me barre. Je sors. Je sors. Non mais... D'où je me fais baiser la gueule. Sors! Est-ce que mon perso est sérieux? Je lui dis de sortir, il n'a pas compris. Je pense que ma technique, si vous l'avez deviné, est assez claire, c'est de les faire une par une, d'utiliser le bug de sortie des épées. Donc là, je me mets bien devant la porte. 25 déjà. Voilà. Tac, sors. Sors, on s'en fout. Annule le combat. Annule le combat. Voilà. Là déjà, j'ai mis 25 et une épée.
Putain, j'ai pris cher dans Milan là. J'ai pris tellement cher. Putain, c'est la violence qui est en train de se passer. Tac, save. Je pense que je vais continuer de m'acharner sur une seule épée à la fois. Aïe, aïe. Merde, je crois que. Merde, je crois qu'elle m'a repéré. Essaye de mettre un dégât. Casse-toi, 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 casse-toi. J'adore quand il m'écoute pas, ce personnage. On va y arriver, on va y arriver, vous en faites pas. Tac. Casse-toi. J'ai pris une attaque à 10, je crois que j'ai fait un dommage à quelque chose. Attendez, je vais vérifier. Non, attaque, l'épée ratée. Attaque ratée, attaque ratée, attaque ratée. Merde, on y retourne. On y retourne, on n'a pas de race. On se barre, on n'a plus de race. Et on est mort aussi. Ça va être très long, ça va être très très long. Je pense qu'il faut un allié pour ce combat. Mais je vais pas le prendre. Je suis sûr qu'il faut un allié. Mais moi j'ai les couilles. J'ai les couilles. Non, attaque. Attaque son oise, raté. Continue. Putain, j'aimerais tellement juste que le glitch du passage de. Du passage d'ennemis à travers la porte marche. Je suis sûr que c'est possible pour ces épées. Putain, mais je me prends tellement cher dans mes dents. C'est quoi ça, c'est repos? Ouais. Web. Et j'y suis allé sans être caché. Fais. Non, non, recule, recule, fais. Non, mais casse-toi. Mais marche pas, cours. Mais quelle sombre merde. Sombre merde. Voilà ce que tu es. Putain, celle-là. Non, mais sérieusement? Allez. Tant que j'ai pas réussi à le mettre. Un dommage. 10, on se barre. Je lui ai mis 10. C'est bon. Putain, je suis un lâche. Un putain de lâche. Non, pourquoi t'as sauvegardé là maintenant? T'es con. Tac. Tac. Mode furtif, on va continuer sur la même épée. Celle-là, celle qui est sérieusement blessée. On s'en fout, on reste jusqu'à le dommage. Voilà. Jusqu'à le dommage. Ouais. Je vais le faire sans potion. Du coup, ça va être extrêmement long pour vous. Mais c'est ça qui est bien. Donc ensuite après je dois retourner voir Olef, il va me donner tout ce merdier et puis il me restera une quête. La quête de je ne sais pas où, je ne sais plus qui, je ne sais plus pourquoi. Et puis c'est pas important pour le moment. Ça c'était la connerie. Mais la grosse connerie. Je me sens sale. En plus j'ai même pas cliqué sur F12, je suis sûr. Allez, tu lui mets le dommage et ensuite on se barre. J'en ai rien à foutre si tu crèves. Voilà, il est crevé. J'adore ma bille. On continue. On continue. On ne désespère pas. La RNG. Les fusions sont alignées. J'ai envie de dire. J'ai mis un dommage. J'ai mis un dommage. Je sais pas si j'ai mis un dommage. Elle ouvre l'épée. Elle est morte. Elle est morte. Casse-toi. Casse-toi. Putain, elle était morte. J'avais pas vu. Merde.
J'avais mis le dommage de l'amour. Elle est où? Elle est là. 18, c'est bien. Essaye quand même de lui en foutre une. Non, trop tard. Trop risqué, trop de risquitude en ce moment. Retourne-toi, saloperie. Caméra de mes fesses. On y arrive doucement, on y arrive. On est bien, hein? On respire. Mais on y est presque. On est à ça d'y arriver. Pour la première épée, elle est où? Ok, on m'accueille comme ça, très bien. Non mais je le prends bien, de toute façon je sens que j'ai décédé. Voilà. Je m'en fous, j'ai save. J'y crois à mort. Et où elle est là? Oui! 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 119 moins d'XP. Parfait. La save. Je me fiche de savoir s'il y avait des pièces d'or sur s'il y avait un drop intéressant. 22. Demi-tour. C'est bien là. Là, la RNG fait pas de la merde. Là, pour l'instant, je suis content. Je me prends masse de dégâts quand même. Repousse-toi. Mais pour l'instant, ça va. Je suis flex. Je suis super flex. Voilà, on y go. Tac, tac. Oh, ça, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Et là, elle est blessée. Attaque sournoise ratée. Là, les deux soins. Non, il y en a une qui est à peine blessée. Là, je sens que je vais crever si je lui mets pas un dégât. Voilà. Mais. Ouais, tu pouvais te casser aussi. C'était une idée optionnelle, mais enfin bon. C'est ce que tu veux. La mort est permanente. Tu m'étonnes. J'en fais les frais à peu près tout le temps. Tac, on va prendre une autre. 34. Ah, mais. Attends, c'est moi. Putain, mais. Voilà, barre-toi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Il a pas voulu bouger. J'ai mis combien? J'ai mis 34 à l'épée pas d'hiver. Génial. Et bah, ça, tu vois, c'est un bon dommage. Allez, c'est la fin, c'est bientôt la fin de la quête. Je pense que je suis déjà à plus d'un tiers de ses ennemis. Si je les compte en points de vie en un seul gros ennemi, ça va le faire. Là, la deuxième, elle va tomber normalement. Elle est tombée, parfait. Parfait, parfait, parfait. Est-ce que tu peux essayer de revenir dans ta vie et puis de pas faire de la merde? Combien d'XP? 119, encore une fois. Très bien. Allez, plus vite. Allez, on y croit. Bon, j'ai plus la carte, mais c'est plus important pour le moment. Tiens-toi. Je vais essayer de te mettre le max de dommages, même si vous êtes deux. Ok, c'est plus un plan, c'est je me barre là. Putain, mais je me prends du 38 de dégâts. Ça le fait pas, les mecs. Oh, j'y crois à mort. J'y crois à mort. Il y a deux épées qui sont mortes. Ok, bon là j'ai raté mes deux attaques sournoises. 8! Waouh, c'était beaucoup. Je vais user une potion, tiens. Use. Voilà, ça devrait être suffisant. Au moins survivre un coup. Oh mon dieu, 15, allez vas-y. Deuxième attaque. Voilà, du 38 que je lui ai mis. Et je l'ai tué. Je l'ai tué complètement. En deux coups. Donc là il reste plus qu'une épée. Et c'est parti pour le combat le plus badass du monde. Avec la mort la plus conne du monde sans doute. Là par contre je ne fuis plus. Je prends des popos et je combats si j'arrête de faire de la merde. Voilà, et je save.
Par contre, les saves sont super lentes. Ah, mais qui va gagner? Vite, la potion. La deuxième potion. Je m'en fous, j'ai la max de thunes. Et là, c'est le combat. Je vais essayer de renverser l'épée. C'est un coup de poker. Je rate mon renversement. Là par contre, au prochain coup, je vais prendre ma potion. Maintenant. Vite. Elle agonise. Fais pas le con. Fais pas le con, Philippe. Yann. Non, là ça, je pense que ça va être la fuite après. Je pourrais pas gagner comme ça. La fuite. Ouh, le 10, le... Les 4 points de vie de l'amour. Vous êtes sûr que j'ai pas plus de potions que ça? Il me semble en avoir plus. Il me semble en avoir acheté. Oui, il m'en reste plein même. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Même 10, allez, on va utiliser celles qui me prennent de la place a priori. Tac, ils sont importants. Voilà. On y retourne. C'est la fin. La fin de cette quête de merde. Tiens, décède. C'en est fini. Tu peux... voilà. Le sarcophage ultime. Qui gauche. Oh mon dieu. Un des 12. Ouais mais non, mon arme est meilleure. Ouais, et ben on va difficilement retourner voir Olef. Donc là c'est bon, on a fini les 3 quêtes. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Ouais non, bon les sacs ça sert. C'est ça qui est bien. 80% celui-là. Non, c'était l'autre. Ouvrir. Ah oui, j'ai ces merdes là. Ah, je sens que ça va. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je me disais. Encore un coup. Voilà qui est mieux. Je peux remarcher comme avant. Je marche. Ah non, non, la porte d'Olef, la porte d'Olef. Sois pas con. La carte. Voilà, Olef. Bonjour, je découvre un artefact. Raccoon a découvert des anciennes chroniques de ma bite sur ton front. Alignement de 3 points vers le bon. Ok, 200 pièces d'or, énorme. L'armure rouillée, donc énorme. 200 pièces d'or. Et la dernière, 200 pièces d'or. Voilà, vous avez découvert 3 grands. Alors attention, attention, attention. Réussite. Oh, c'est adamanite. Cela me suffit, merci, oh là là. Ouf. Voilà, donc là j'ai bien vidé mon sac. J'ai une superbe amulette que je devrais faire identifier avec ses bottes. Ah bah attends, le service du temple, évidemment. Ah, je suis... Blablabla, bla, bla, au revoir. Oh, tu fais chier. Bon, bah, Damaribes. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une petite quête. Et on va enfin, commencer le chapitre 2. Enfin, je m'arrêterai à la cinématique du chapitre 2. Vite, j'ai besoin des services du temple. Ta gueule. Alors, tac, tu vas me dire ce que sont ces bottes. Des bottes de promptitude plus 3. Ah, bah, plus 3. Génial. Tiens, je t'avance cette merde. Et j'aimerais savoir ce qu'est cette chose. Cette amulette de volonté plus 3. Je sais quoi, j'ai une amulette de la famille Astéron. Je l'enlève, puis voilà. Est-ce que j'ai pas de la merde à te vendre? Qu'est-ce que je peux te vendre? Rien. Non, pas ce sac, rien. Cette hache, j'en ai pas besoin, je vais me faire détester, mais je la vends quand même, j'en ai rien à faire. J'ai déjà une torche. Et puis, cette merde, j'en veux pas, cette masse d'armes, c'est de la merde. Et puis, bah, je ramasserai mon bordel dans le sac, et puis on sera bon.
Et maintenant, il me reste une quête. Je vais juste couper le record ici et puis je vous retrouve dans un instant.